Bonjour tout le monde, welcome back to We in France. I'm Diane, and today we are going to jump right into a very special video coming to you from a farm that we're going to arrive at shortly. It's here in the Loire Atlantique. They are a producer of milk for Beillevaire products, which we'll get to in a minute, but we're just going to jump right into the video. One thing, if you don't speak French, turn on the subtitles. The English subtitles are there in your YouTube settings, so that way you can follow along, but let's just jump into it. Beillevaire is an excellent French producer of dairy products like yogurt, cheese, butter, desserts, and so much more. They're based here in Western France, and today we're going to go behind the scenes at one of the farms where Beillevaire sources their milk. Benoît Ferré, producteur de lait depuis 2005. Je suis installé ici à Fresnay-en-Retz, en Loire-Atlantique. Et je livre la totalité de la production à la fromagerie Beillevaire pour y faire du beurre, de la crème, des yaourts, du fromage. Donc ici, il y a 120 vaches laitières à peu près, il y a 200 hectares, on est 5 à travailler à l'année. Donc mon épouse qui est associée avec moi, ainsi que Baptiste le salarié et aussi 3 apprentis. Donc ici, tous les matins, la traite commence à 6h30 pour terminer vers 9h. Il y a une personne qui s'occupe de l'alimentation des animaux, deux à la traite et une autre personne au veau. Après, vers 9h30, le laitier arrive pour collecter le lait qui part directement à la fromagerie pour être transformé. La passion d'un agriculteur, pour moi c'est très varié parce que tu peux être vétérinaire, éleveur, mécanicien, gestionnaire en la même journée. Donc c'est un ensemble de choses qui fait que c'est un métier passionnant. Puis on est aussi dans la nature tous les jours. Pour être éleveur, il faut d'abord être patient et avoir de l'attention aux animaux, surtout bien les surveiller. En fait, ça vient avec le travail, on l'apprend. Et après, ça s'appelle l'œil de l'éleveur. En 2 minutes, on a déjà appréhendé la maladie si une vache est malade, quoi. Quelle est la durée de gestation d'une vache? La réponse que beaucoup de personnes, peu de monde connaît, c'est la même qu'une femme, tout simplement. C'est un veau qui est né cette nuit, et par chance c'est des jumeaux, donc il y a un mâle et une femelle. Donc ce matin on voit qu'elle n'a pas très faim, elle a dû boire directement au pied de sa mère. Hein? Donc, si elle n'a pas faim, elle boira tout à l'heure. As Benoit just mentioned, each day right after the cows are milked, the quantity of milk is measured, tested for bacteria, and transported as quickly as possible to the Beillevaire production site. Here's a look at that collection process. Vous voyez, j'ai les trois. Il est négatif, les trois bandelettes, vous voyez. Donc le lait, il est propre pour la consommation humaine. Donc, le lait, il a acheminé dans le tuyau, vous voyez. Le lait va venir là, vous voyez. Et vous allez voir le lait qui va. Les aiguilles vont descendre, il y a le prélèvement. Je m'appelle Léna Davouis, j'ai 14 ans. Je travaille ici depuis le mois de juin. Je viens en stage. Je suis en troisième. Je reste ici pendant 6 semaines. Après, ça change tout le temps. Soit je suis 15 jours en cours, soit je suis 2 semaines ici. Ça change tout le temps. J'adore aller mettre la farine dans les champs aussi pour être avec les vaches. J'arrive à 7h jusqu'à la fin de la traite. Ensuite, on fait le lavage. Ensuite, je fais le tank. La fin du lait qui reste, elle va pas jusqu'au tank, donc du coup il faut mettre dans un seau, ensuite mettre dans le tank. Ensuite on nettoie, mais là cette fois avec des machines, avec le tracteur. Ensuite il y a la mélangeuse et tout ça pour les vaches. Et voilà, pour le matin en tout cas.
m'appelle Baptiste. Je suis arrivé ici en 2017. Donc j'ai maintenant désormais je suis salarié. J'ai commencé en étant stagiaire, après je suis passé apprenti et depuis je suis salarié. Donc je m'occupe principalement des vaches. Ce que j'aime dans ce métier-là, c'est la diversité. Donc on fait plein de choses. Pour une journée type, je commence le matin à 6h30. Je commence par la traite des vaches. Après, je m'occupe des veaux aussi en même temps. Je commence le nettoyage du bâtiment des vaches ou sinon je peux préparer la ration pour les vaches. Après, je peux aller dans les champs quand il faut aller travailler dans les champs. Et après, le soir, je retourne à la traite. Je recommence, je vais chercher les vaches, je fais la traite, je m'occupe des veaux. Soit je termine mon boulot, donc c'est à 19h30. Sinon, s'il faut retourner dans les champs, je retourne dans les champs. Ce que je préfère, c'est la diversité. C'est la diversité. Jamais faire la même chose. Donc là, c'est le tout premier lait. C'est très important parce que c'est le lait qui permet de donner les anticorps aux veaux. Et c'est le seul moyen pour la transmission, pour qu'ils aient des anticorps, c'est par le lait. Et ça y est, c'est fini. Il a bu de l'huile. Thank you so much for watching, everyone. And if you enjoyed this video, I'd love it if you let me know down below in the comments and also hit that subscribe button. A huge thanks also goes out to the amazing Beillevaire team for allowing us to come make this video. And please stay tuned soon for part two of Behind the Scenes at Beillevaire when we go to the production facility, see all the products being made, tour the boutique, and more. Merci tout le monde, and see you back here on We in France soon. Salut!